Et bam! Coucou YouTube, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur ce Let's Play Paper Mario, toujours. On est toujours là, toujours back in the Play-Toh, et contrairement au dernier épisode qui était un petit peu... Voilà, on faisait des petits trucs, des petites quêtes, etc. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, on lance la roue des défis tout de suite, je ne réfléchis pas, je me chie dessus, ça va. Non, ok, ça va. J'ai cru que ça allait être sur la 9, j'allais péter mon crâne. C'est la numéro 3, j'ai déjà oublié ce que c'est, je pense que c'est la 10e fois qu'on l'a. Mais c'est la roue, j'y peux rien. C'est la carte des défis, et c'est le défi numéro 3 qui sera... A vous l'honneur. Et qu'est-ce ? Mario devra offrir l'initiative à tous ses futurs combats. Il n'utilisera également aucune forme de contre-attaque. Allez, au camp... Ah bah j'avais vraiment oublié ce que c'était finalement. Ça faisait longtemps qu'on l'ait pas eu. Mais il va pas y avoir beaucoup de combats, donc pas sûr que ce soit vraiment une mauvaise nouvelle de mon côté. On va appeler ça une moyenne nouvelle. Moyenne nouvelle. J'en ai pas grand-chose à foutre. Bon. Ça, le problème, c'est que je vais peut-être pas le faire bien, le défi, quoi. Monsieur Azur Origins, pour les 14 mois. La crève au printemps, quel plaisir. Ah, courage. Je découvre que les prix des paquets de mouchoirs n'ont aucune logique. Il y en a des plus chers pour moins n'importe quoi. Bah c'est la... C'est au niveau de la... De la qualité des mouchoirs. Il y en a qui irritent le nez, il y en a qui ont une senteur, il y en a qui sont plus doux, etc. Mais en tout cas, courage à tous ceux qui ont du mal avec le pollen. On pense à vous, on vous embrasse. Et puis, bah, il faut acheter les vieux mouchoirs de grand-père, là. On se mouche 12 fois dedans, on les lave et tout. Je déteste ça. Quand mes grands-parents me tendaient des vieux mouchoirs en tissu, là, à l'époque, quand j'étais gamin, j'étais en mode jamais de la vie. Je préfère me morver dessus. Je préfère m'essuyer avec ma main comme ça sur mon t-shirt comme une merde que d'utiliser un morceau de tissu dans lequel tu t'es peut-être torché 15 fois avant de me le donner. C'est non. Jamais. Putain. Et Daikenzo toujours là. Qu'on l'embrasse avec son bras. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Courage. Allez, allons-y mesdames et messieurs, c'est parti. Il est où le jeu? Moi je vois pas le jeu, vous voyez moi non. Ah c'est bon, je le vois. Allez, c'est parti pour le tring. Le train de live, messieurs, dames. Train de live. Envie de clamser. C'est ici, il y a de nombreuses séparations difficiles. Ah, c'est romantique, ça me tire les larmes. C'est bizarre, surtout, de rester là pour regarder les gens. Ceci est le Crassus Express, un train à destination de Pickle Hills. Pour monter à bord, il faut un billet. Tout semble à l'ordre. Souhaitez-vous embarquer? Oui. Eh, vous pouvez monter, attention à la marche! Ok, je me crash man. Allez. Attention à la barre! Ah, je peux plus faire de rap, les gars. C'est pas la. C'est pas une OST de rap, ça. Chouchou les rageux! Ah non, dans le Crassus Express, pardon, je me suis trompé de titre. Cabine de Mario. Ah vraiment, le Crassus Express, c'est le confort total! Dans ces conditions, 3 jours jusqu'à Pickle Hills, ça va passer en un clin d'œil. Merci à Kenzo. Toujours là. Coucou dans le YouTube Express. Ah, mais là, sur le sol, quelque chose, mais quand? Ne va pas à Pickle Hills. Descends tout de suite où je fais. Sauter le train. Si jamais... Qu'est-ce que... C'est quoi cette caméra? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait, ma caméra? Attendez, ça... Putain, le terroriste a niqué ma caméra, il a fait exploser ma caméra. Si jamais, hein. Si jamais vous recevez une lettre d'un terroriste dans un train, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Alors attendez, il faut que je fasse un truc de ma caméra. J'active, je la réactive. Ah, ça marche. Bravo. C'est bon. Et méfiez-vous en tout cas. Méfiez-vous. Mais c'est du chantage. C'est peut-être l'œuvre de Marjolaine. En tout cas, l'auteur de ces menaces doit être dans ce train, c'est sûr. Nous devons l'attraper avant qu'il ne mette ses menaces à exécution. Oh yeah. Ouh. Bienvenue mesdames et messieurs dans le Crassus Express, aka le chapitre où il y a le moins de combats du monde.
Il y a un champi séché. Bah j'en ai rien à foutre, hein. Ah vraiment, bon. On va d'abord faire nos badges, hein. Mesdames et messieurs, j'ai plus rien. Drain PC, je l'enlève, ça y est, j'arrête mes conneries. J'ai quoi, là? Vénard... ouais, Vénard, ça peut peut-être être bien, en vrai. En vrai, j'ai une bonne base solide. Puissance plus et puissance plus P, j'ai pas envie de les retirer. Changement rapide, c'est bien. J'ai pas le droit de faire des contres. Pas le droit de faire des contres. C'est-à-dire que je suis censé me prendre des gros trucs dans la gueule. Mais, pire... Au pire, électrochoc dans la gueule, allez. Ça la calmera. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cœur joyeux? Je peux peut-être me remettre en queue des sauts, j'aimais bien. Pourquoi que? Oh non, vas-y. Je veux pas. Je veux pouvoir faire ce que je veux. Coup fort, multibon. On est heureux. On a tout ce qu'il nous faut pour être heureux, là, je pense. On a tout ce qu'il nous faut. C'est parfait. Et vous savez quoi? Même, histoire d'être... histoire de pas être reconnu dans le train, parce que voilà, moi j'ai pas envie qu'on m'emmerde dans le train. Je vais me déguiser. Je veux pas qu'on sache que je suis Mario, voilà. Personne ne peut reconnaître Mario, là, c'est impossible. Irreconnaissable. Impossible. Le gros maître d'escargot. Franchement, non. Ils ont beau avoir update graphiquement, là, j'ai toujours l'impression de passer un mauvais moment. C'est dingue comment c'est vraiment peut-être le chapitre que j'aime le moins du jeu à la base. La première fois qu'on le fait, il est exceptionnel. Parce qu'il est vraiment trop stylé, mais la deuxième fois, tout d'un coup... tout d'un coup, c'est pas la même aventure. Bienvenue dans la boîte de restaurant, vous pouvez manger ici. Certains clients prennent les trains spécialement pour déguster notre cuisine. Cette fois, nous avons Batwood, le super serrateur. Oh, j'espère qu'il va venir manger ici bientôt et qu'il mettra son photographe. Oui. Oui, bonjour. Je suis chargé de faire la cuisine pour tout le monde, enchantement. Je me suis trompé, enchanté. Pour le déjeuner, j'ai préparé avec assurance une recette fabuleuse. J'espère que vous viendrez la déguster, illustre client. Oui. Je... En fait, le mec, il a juste à prendre un bain dans sa casserole. Ça nous fait un bon bouillon de poisson, c'est sympa. Oh, plein. Qu'est-ce que je suis venu chercher, là, moi? Qu'est-ce que je suis cherché... Qu'est-ce que je cherche, là? Moi, je dois juste parler à des gens jusqu'à ce qu'il se passe un truc, hein. Ah, l'un des meilleurs personnages de Paper Mario, bien sûr. Il est temps d'entrer. Cela fait si longtemps que j'ai le mal du pays. D'accord, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant qu'il est intéressant. Un petit peu triste. Ouais, mais j'ai du fioul, mais avec une cravate. Et bleu. Ceci est Picaliste pour une affaire importante. Comme c'est pour le travail, c'est la boîte qui paye. Quelle chose incroyable! Ça, c'est bien, ouais, ça. Toujours sympa quand c'est la boîte qui paye. Boum! Je m'en laisserai pas. Oh non, pas eux! Tiens, Bérin. Tiens, Bobombe. Et tiens, toi. Je sais pas. Si, Bérin, donnez-moi, c'était mon cadeau d'anniversaire! Alors, t'es jaloux, hein? Ouf, non. Vous voulez être le champion de Yolandville, Super Gonzales, non? Vous êtes à Picaliste, un endroit tout à fait approprié pour un champion! Vous êtes à Picaliste pour acheter le cadeau d'anniversaire de Bérin! Super! Merci, hein. Vous auriez pas pu le commander sur Amazon? Bienvenue au Crazy Express! Je suis le contrôleur! Cher voyageur, vous devez être Monsieur Mario de 5, oui? Détendez-vous et profitez du voyage, je vous prie! Dans cette direction se trouve le fourgon bagage! Désolé, mais l'accès en est réservé au personnel! Comment, une note de menace, vous dites? Ah, bah, ok, bizarre, merci de nous avoir prévenus. On va faire comme si on rien n'était, hein. Super. Bon, bah, je retourne chez WAM. Je rentre dans ma cabine et tout va bien se passer, les gars. Ouais, mais tout le monde m'a reconnu, finalement, ça servait à rien, ce badge. Un peu dégoûté. Un peu dégos. Ah! Qu'est-ce qui se passe, les gars, ça va? Allô? Ça sent l'intrigue. En fait, vous n'avez quitté les yeux le ragoût qu'un moment et le chaudron a disparu. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, voilà un crime des plus sombres. Quoi, un crime? Un crime? Mais au fait, c'est quoi comme plan? Oh,
suis bourré. Je m'appelle Pingo. Tel que vous me voyez, je suis un détective. Si, croyez-moi, j'ai du flair pour ce genre d'affaires. Quant à ce mystère, je vais vous le résoudre en un coup de nageoire. Oh. Tout d'abord, le point crucial de cette affaire, et le fait que le criminel s'est enfui avec le chaudron plein de ragoût. Ce qui veut dire que le criminel... C'est vous! Mais non! Quoi? Moi? Mais non, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien! Allez, désolé, désolé. J'ai toujours rêvé de dire ça. Dans le nulos! Bon, plus sérieusement. Cette affaire, elle est plus délicate. Non, bref, au bout du compte, vous ne connaissez pas encore le coupable. C'est bien ce que vous voulez dire. Mais crétin, mais je repars à ma cabine. Voilà, vouloir quitter les lieux du crime aussi rapidement, c'est très suspect. Bullet Wood, le criminel, c'est vous. Monsieur Bullet Wood, c'est complètement possible. Ne dites pas le nom au hasard, vieux schnock. Schnock. Mais... Et vous, qui êtes-vous donc? Le mystère s'est baissé. C'est plus vraiment la merde. C'est un truc de fou, comme il est vraiment très très con, lui. Bon, examinons. Bon, non, pas besoin d'examiner, hein, vraiment. Il y a des traces sur le sol. Arrête. Arrête. Mais non! C'est pas vrai. Ce sont pas les traces de ragoût que quelqu'un aurait renversé? En suivant ces traces, on va trouver le coupable. C'est peut-être la même personne que l'auteur du chantage. Quel raisonnement? L'intuition? L'intuition féminine? Non, c'est vraiment genre t'as... Enfin, il y a vraiment des traces de ragoût par terre. C'est pas un raisonnement ni une intuition. C'est... Alors c'est soit du ragoût, soit vraiment quelqu'un qui s'est chié dessus et qui cherchait une toilette. On va peut-être atterrir aux toilettes. Ça serait une nouvelle mise à jour du jeu. Ok, donc c'est pas dans ma cabine déjà, c'est top. Ok, c'est là. On va résoudre ce mystère. Scooby-Loubidou. Où te suis partout. Je peux vous aider? Un chaudron de cuisine? Alors comme ça, de la nourriture est volée, on m'accuse directement sans aucune preuve. C'est honteux. Pardon? Des traces de ragoût? Non, c'est rien de tout ça. Bien sûr qu'il n'y a pas de son droit de tireur. Pas la peine de fouiller. Ah ouais? Il y a plein de magazines pour les gourmets. L'un d'entre eux est un numéro spécial consacré au Crésus Express. Un agrandissement d'une photo du chef sushi, il a un sourire éblouissant. Il y a quelque chose derrière les magazines. Un chaud... Comment il a caché ça dans son putain de tiroir? C'est impossible! Pardon, j'ai tout mangé. Et tout mangé. Non, bref, vous avez trouvé le radoux tellement délicieux que vous en avez voulu plus. Un instant d'inattention du chef vous a permis de voler le chaudron du ragoût. Ouais, c'est comme ça que les choses se sont passées. Une impulsion soudaine, je suis vraiment, vraiment désolé. N'ayez la faute, pas le fautif, c'est ma devise. Ne recommencez plus. Quant à vous, oui, vous avec la moustache. Il est clair que vous avez relu cette affaire. À propos, cette histoire de lettre que vous avez été envoyée, il était normal que le contrôleur la mentionne au détective que je suis. N'en parlons pas ici, veuillez me rejoindre dans ma cabine. La numéro 6. Ce serait dommage qu'on citait les portes directement, quoi. Ah, et encore une chose, n'oubliez pas de rendre le chaudron au chef. Ouais, ouais, c'est bien. Putain. Il nous a saoulé, lui. Tu fais plus ça, mec. Donc voilà, ça va être ça tout le chapitre. Hein. Ça touche à la vitre. Et la faute, pas le fautif, même pour un meurtre, ouais, franchement. Non. Bon, bah après, si c'est à son jugement à lui qu'il faut se fier dans la vie, c'est pas une bonne idée. Oh, vous êtes le flanc, les égouts. Je me suis trompé le chaudron de ragoût. Oui. Oh, Mario-san, c'est bien mon chaudron. Le contenu a entièrement disparu, mais je le reconnais. Merci beaucoup. Voici un remerciement, vous êtes toute ma platitude. Non, ma gratitude. Oh,
petit morceau d'étoile, ça fait plaisir ça. On en veut plus hein, des morceaux d'étoile, n'hésitez pas, hein, vraiment. C'est pas vraiment me donner que ça. Désormais. Rien d'autre. Allez, c'est parti. Oh, je t'attendais. Tu as montré la grande capacité déductible dans l'affaire d'aujourd'hui. Mais il est pas probable que ce voleur de ragoût ait envoyé la lettre. Rien dans sa cabine ne sentait le crime. À ce sujet, tu as l'étoffe d'un véritable détective. C'est décidé. J'accepte de te prendre comme assistant. Pas la peine de me faire un doigt. Bon, il est temps que je me présente. Je m'appelle Pingro, détective résident à Piccadilly Hills. Je suis plus connu public sous le nom du pingouin à la cervelle rose. Normal que mon nom te soit familier. Non. Étonnant, non, non, ne me dis rien. Mes puissantes capacités de déduction vont me permettre de le découvrir. Cette moustache. Ce nez. Hé hé hé. Pas d'où tu es le fameux Luigi. Et Luigi, ton nom c'est Luigi. Et oui, Ruigo, c'est la fin de Mario. Dans l'affaire de la note, on parle de bombe. Et en parlant de bombe, il y a bien une bombe juste derrière toi, mademoiselle. Parlant, il y a bien une famille louche. Tu vois de qui je parle, et oui, je suis raciste. Alors mon cher Luigi, assiste-moi et cette affaire sera résolue en un éclair. Putain, si seulement c'était vraiment Luigi, quoi. Putain, ça y est, il y a des bombes, alors c'est eux. Quoi? Ah oui. Allez, on y va, on perd pas de temps. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de crever, Bérin? C'est un mec? Je pense que qui est étudiant sur Doué serait parfait pour ce cher Bérin. Un réunique noir pour l'étariat, joli. Un cadeau régalien. Une voiture ou une maison. Mais c'est bien trop tôt pour notre cher Bérin, tu es trop matérialiste. De plus, un kit d'étudiant sur Doué lui permettra de se préparer au futur. Pfff, moi je veux ni l'un ni l'autre, mais il m'écoute pas. Dites monsieur, de champion vous êtes devenu détective? Alors devinez ce que je veux vraiment comme cadeau. Non. Je m'ennuie trop. Bon, ok. Oui, oui, oui. Pour de vrai? Si vous m'apportez le cadeau de mes rêves, je vous donne un truc super en échange. Voici un indice pour vous aider. Ça commence par O. Alors vous avez deviné? Je pense que c'est une automobile. Je pense que c'est un auditorium. C'est un au revoir. Il veut se barrer de ses parents. Je les avance, dites but depuis un bon moment, et le petit me fait de la peine. En fait, vous saviez, ce petit rêve de devenir conducteur de train. Un Oreo. C'est mignon comme rêve dans une famille pareille, non? Putain, il rêve de devenir conducteur à SNCF. Petit indice chez vous, c'est pas forcément facile de devenir conducteur à SNCF déjà. On pourrait croire, mais c'est pas facile. Hop! Ouais, la foutre, moi je sais où aller, j'y vais. Hein. Bon, pim, pim. Une aubergine, ça va être pas mal. Rien de pouvoir annoncer des retards tous les jours. Ah, pas tout le temps. Hein. Dans 10% des cas, il n'y a pas de retard quand même. C'est pas mal. Hein. C'est la vie. La vie de voyou. Poui, poui. Je veux dire au secours. Mon rêve, c'est de crier à l'aide. Le petit Bérin m'admire parce que je suis le conducteur du train. Oh, c'est un peu gênant. Quoi, c'est tout? Gros, j'ai fait l'aller-retour pour rien, là. Et donne-moi ton putain d'autographe. Je dois parler à d'autres gens, là. Putain... Putain, c'est peut-être encore pire de connaître le jeu, parce que du coup tu veux speedrun et du coup tu perds du temps. Vas-y, j'ai trop le seum. Alors du coup, je vais parler à qui là pour que je débloque le autographe? Il est dit un autographe comme cadeau. Autographe d'une star de cinéma comme moi, je suppose. Désolé, moi je ne donne des autographes qu'aux filles. Ok. Tiens, bah, hey, normalement maintenant, là, il est pas censé faire chier, là. Attention, c'est là qu'on va savoir. Est-ce qu'ils ont vraiment été jusqu'au bout? Désir d'autographe, hein. Autographe d'une star.
Mais je note de ce grave que fille, putain. Mais je crois que ça change rien, non? Ah mais oui, non, ça change rien, tout va bien. Tout va bien, les gars. Et si je disparais? Oh bah les couilles. Comment ça me casser les couilles? Du coup, comment ça, il veut... Comment on en a déduit qu'il voulait un autographe, maintenant? Comment on a déduit? Ah bah ça y est. Il veut mon autographe? Le petit Béra, non, pas de problème. Voyons, ça va comme ça? Le mec ne conduit plus le train, là, actuellement. Un autographe du conducteur du Crazy Express. Il vaut 75 millions d'euros. Ouais, me demander un autographe à moi, je suis con. Allez. Bisous. On va utiliser notre meilleur ami. À savoir, Tsuyoshi. Pas pitié. De toute façon, c'est une star de ciné des cancers. Ah bah, c'est même pas le vrai en plus. Je sais plus s'il y a le vrai. Je crois qu'il n'y a pas le vrai, hein. C'est juste Rumple hein, depuis le début. Voilà, il était kidnappé à un moment, je sais plus. Bon, allez, Vérin. On t'a fait un street stretch sur un bout de papier. Ce sera son plus beau cadeau d'anniversaire. Tu préfères un autographe du conducteur de ton train ou une villa? Une villa avec piscine. Ça dépend qui est le conducteur de mon train. Hop là. C'est vrai, vous m'avez apporté le cadeau dont je rêve? Pico, vous êtes super... Attends, il va exploser, les gars! Il va exploser vite! Attention! Donc, chose promise, chose due. Voilà, c'est bon, commence. Oh, soleil! Merci pour l'autographe, je vais en prendre le plus grand soin. Dans ces conditions, je préfère rien acheter à Béran. Aussi bien, je ne vois rien de mal à Marte et la liste. Je persiste à dire que notre cher Béra devrait recevoir un kit de l'étudiant surdoué. Oh ta gueule. On peut plus de cela. Je les déteste. Oh c'est la nuit, ça y est. Pouilly. Ah bah là. Je vais parler à lui, je pense. Alors apparemment, c'était un autographe, pas vrai, mon cher Luigi. Comme je l'avais déduit. Ah oui, le contrôleur te cherchait, ça sent mystère. Alors. Ah, monsieur Mario, je me suis rappelé d'un fait bizarre. Il a manqué une couverture lors de leur distribution aux passagers. J'ai donné la mienne en échange, mais il n'aurait pas dû en manquer. Mais je pense que quelqu'un est monté à bord sans prendre de billet. Il se pourrait que cela soit la personne que vous recherchez. Si vous ne retrouvez pas ma couverture, je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Si vous pouviez trouver le passager clandestin ainsi que ma couverture... Ah vraiment ? Vous êtes toute ma gratitude. Je reste à mon poste et m'en remets à vous. J'aurais jamais dû lui faire cette voix, ça me détruit la gorge. Mais on assume jusqu'au bout ici. Ici, quand on a mal, on a mal. On a mal pour le show, pour le spectacle. Hop les... Zouz, zouz. Parce que je trouve ça stylé de faire ça. Pipoui, pouliboui. Bon, les passagers clandestins. Si elle a eu la chiasse, ça y est, il a trop mangé, il a envie de chier. Tout à l'heure, j'ai entendu un bruit dans la cabine voisine. Celle-ci est vide. Mais quand je suis allé jeter un œil, il n'y avait personne. Et quand je suis revenu dans ma cabine, il y a de nouveau eu ce bruit. Vous n'allez pas aller voir la cabine à côté? Ok mec. C'était ça le bruit je pense. Je pense que c'était ça le bruit qu'il a entendu. Merci beaucoup. En plus j'allais faire une blague, j'allais dire. Et là tu l'entends le bruit? Pff. Mais du coup bah voilà. Bah y'a rien, qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou lui. Y'a pas de bruit en fait. Allô? Il n'y a rien. Bah allez on se barre du coup. Allez, petite blague. Attention, je vais me cacher. What the hell?
un jour. C'est comme tu le vois, je suis un spectre. Je suis coincé entre ici et l'au-delà. Les couvertures. Oh oui, le contrôleur en a amené une ici. Il a cru que j'étais vivant. Des menaces. Non, ce n'est pas moi. Je suis intangible, donc pas moyen de tenir un stylo. Pardon, alors, il faut que je rende la couverture maintenant. J'accepte de la rendre en échange d'un petit service, qu'en dis-tu? Oui. Ce que je veux, c'est... ta vie! Mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Voilà en fait ce que je veux. Il y a bien longtemps, je me suis éteint ici, mais... mes valises sont restées dans le fourgon à bagages. Dans mes valises se trouvait mon journal intime que j'ai depuis tout petit. L'idée que quelqu'un puisse le lire m'angoisse et rend les cieux inaccessibles. Comme je ne peux sortir de cette cabine, je veux que tu me le rapportes ici. Si tu me le rapportes, je promets de rendre la couverture. Ça va, t'inquiète, fais pas trop d'aller-retour dans ce chapitre. Surtout ne lis pas mon journal, oui. Pardon? Il veut quoi, lui? Il se prend pour qui? Je vais le lire? Monsieur. Poupi, poupi, poupi. Ils ont gardé la valise dans le train, y'a pas un service des objets trouvés. Bon, pas ici, hein. Pas dans le monde de Mario. Pas besoin. Poulipipoui. Ils lui ont rajouté de la personnalité à ce fantôme. C'est bien ça. Alors je vais juste sauvegarder vite fait. J'ai trouvé la couverture. Quoi, fantôme? Alors, nous lui rendons son journal, il nous rend la couverture. Je comprends, je vais pas du tout me poser des questions sur le fait que t'es parlé à la fantôme, t'inquiète. Cela dit, vu que les bouts existent, ils doivent pas trouver ça bizarre les fantômes, j'imagine. C'est pas la même... pas le même univers, quoi. Il est où? Il est où le livre? Boui. Hop là. Brouille. Mais c'est pas une valise. C'est un coffre. Autrefois, on transportait pas des valises, on transportait des coffres. Je vais trouver. Bien, je fais une confiance pour le reste, monsieur Mario. Je peux malheureusement pas utiliser mon poste. Mais je me demande bien si je t'ai créé le journal. Moi aussi, je me demande. Moi aussi. Je peux sauvegarder pour rien, vous regardez pas. Il est où son journal? Ah. Journal intime, je suis Xavier Dupont de Ligonnès. What the fuck? Alors. Vous risquez d'être maudit, vous êtes sûr? Vous devez renoncer, vous risquez gros vraiment. Putain, c'est quoi? Il va supprimer ma sauvegarde, le bâtard? Aujourd'hui, en couvert, je suis monté dans le train. What the fuck? Ils ont rajouté une ambiance. Je suis monté dans le train. Ce train, attendez. Ce train. Pourquoi on peut pas voir... Ah! Tu as lu! Je t'avais pourtant dit de ne pas le lire! Voici ton châtiment! Ok, drôle. Ils ont rendu ça plus drôle. Voilà, comme ça j'aurais au moins un game over, les gars. Putain, vous vous rendez compte quand même? Imaginez, vous êtes là. Vous êtes gamin, vous avez pas sauvegardé depuis 3 heures. Et vous lisez le journal comme un gros con. Putain, je vais réessayer. Je vais faire de mon mieux, les gars, je sais pas si je vais y arriver. Putain. Ah bah, one hand. Vous l'avez trouvé? Pourquoi il me redit ça? Il me redit ça après ma sauvegarde. Ah bah, bravo. Ce que je viens de lire, je ne peux pas vous le montrer. C'est l'une des choses les plus horribles que je n'ai lues dans ma vie. Afin de rester monétisé, je ne peux pas vous montrer ce journal.
Allez, hein. Poui, 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 poui. Tu as trouvé mon journal? Tu veux bien le remettre dans le tiroir, regarde. Ouais, c'est bien lui. Voilà la couverture, comme promis. Tu ne l'as pas lu, tu es quelqu'un de bien. Si tu l'avais lu, une chose terrible te serait arrivée. Enfin, le cœur en paix, je vais rejoindre les cieux. Merci beaucoup. Nous ne nous reverrons pas de ton vivant, je pense. Porte-toi bien. T'inquiète, je l'ai pas lu. Allez, hein. Bravo à toi, on pense à toi-même, Mario, en mode. Presse F to pay respect. Oh, mais non, j'y vais pas. Ça fait tellement longtemps que je rentre ces lieux que je m'y suis attaché. Alors, je vais rester encore un peu ici. Je peux aller là-haut quand je veux, alors bon. Top, mec. Merci pour tout. Comment ce qui se passe si tu le lis devant lui? Ça aurait été drôle. Ça aurait pu être sympa de faire ça. Bon, je peux aller dormir, non? Bon, j'imagine que non. J'imagine qu'il faut que j'aille chercher d'abord. Que j'aille leur dire, hey, c'est bon, le fantôme, il est content, et voilà. Il reste pour pas que tu lises son journal intime, j'avoue. Oui, j'avoue, parce qu'il nous a dit, ouais, le journal intime, faut pas le lire et tout. Il a juste mis dans son tiroir. Du coup, maintenant, n'importe quel connard qui va chez lui peut aller dans le tiroir, prendre son journal intime. Alors? C'est bon, là? Je peux aller dormir, monsieur? Ah, comment ça s'est passé avec les couvertures? Ah bah, il fallait que je lui rende. C'est vrai. Un grand merci, avec ça, je vais pouvoir monter les gardes chauds. C'est important parce que vous l'avez toujours pas trouvé le temps de la note. Ah, mais j'ai oublié que c'était ceci en remerciement. Ah. Comment ça se fait retard, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous coucher? Je vous rappelle que vous occupez la gamine 5 auquel vous seriez vraiment très très con. Je vous préviens qu'il se passe quoi que ce soit, n'ayez aucune inquiétude. Je suis le contrôleur du fabuleux Crassus Express, je ne peux échouer. Le doute m'est permis. Le doute est autorisé. Faut peut-être que j'aille dormir, les gars, je pense. Je vois, finalement, ce n'était pas l'auteur de la note. Tant pis. Il est tard, pourquoi ne pas aller dormir puisque le contrôleur veille? Il faut dormir. Sur GameCube, c'était un simple champignon. Ah ouais? Bon. Le step-up me rend pas particulièrement heureux après, hein, pas mentir. À la limite, ça aurait été un ultra champi, j'aurais sauté. J'aurais pas sauté toi non plus. Mais bon, c'est sympa. C'est vrai qu'un champignon à la con, t'es un peu en mode bon gros. C'est vrai que d'ailleurs, maintenant que vous le dites, ça me rappelle qu'effectivement, j'étais en mode bon gros, un champignon. Alors que là, j'étais en mode bon. Allez. J'ai pas été choqué, si vous voulez. Bon, un empire ça? Ah d'accord, merci Yoshi pour tout ça. Par contre, ouais, je vais dormir avec Viviane, ça te dérange pas. Hein. Allez, hein. La, la, la. C'est mieux quand même. Hein. Deuxième jour de voyage. Mais non. Arrête tes conneries. Ouais, je vais faire semblant de pas l'avoir vu pendant... Franchement, ça m'a traversé l'esprit de faire semblant de pas l'avoir vu pendant tout... Vraiment pendant 2 heures. Mais je me suis dit, à la fin, je vais tellement y croire que je vais vraiment l'oublier ici. Mais voilà. Juste pour vous... pour éviter que vous deveniez fou. Pour vous éviter de devenir fou. Poui, 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 poui. Leap. Attendez, je le lis. Ouais, merci. Hop là! Je sais pas ce que je fais là. Bonjour! Il y a un superbe four. Ils sont bien entretenus et brillent de propreté. Bien joué, mec. Ohio? Putain, on est dans l'Ohio. Ohio gozaimasu! C'est un bon matin, vous ne tournez pas? Aujourd'hui encore, je vais préparer un plat superbe. Pom, pom, pom! Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, on va aller voir Pingro, il va nous le dire. Hein. Ohio gozaimasu. C'est... On est dans l'Ohio, quoi. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mon cher Luigi, tu arrives à point. Une affaire. Businessman, veuillez expliquer la situation en insistant, Luigi.
Ce matin, quand je me suis réveillé, ma serviette avait disparu. Elle conservait par son papier, ainsi que le nouveau prototype de la compagnie. Si je l'étais perdu, ça suffit. Viré. Allons, allons, du calme. D'abord les faits. Expliquez tout à Luigi. Oui, le trouve vos produits et le sirop de miel nitro. C'est un sirop tellement puissant qu'il peut ramener quelqu'un à la vie. Mais si on mélange du calcium, de nacre et à de l'or... C'est terrible. Ça provoque une énorme explosion. On aurait peut-être pas dû le faire, finalement, ce truc-là. Suffisamment puissante pour faire voler ce train en tout petits morceaux. S'il tombe entre de mauvaises mains, je suis fini. Quelqu'un a volé votre serviette. Pas pratique pour aller se doucher, ça. Vous aviez votre serviette hier. Est-ce qu'elle était sale, votre serviette? C'est un pervers qui vous a volé votre serviette. Bien sûr, le voleur est encore dans ce train. Pingro, tu es un vrai cerveau. Luigi, tu as parlé avec la serveuse, Madame Rose? Toutes les deux ont perdu des biens précieux dans le train. La serveuse a perdu des boucles d'oreilles en acre. Et Madame Rose a perdu une bague en or, bizarre. Luigi, ce criminel connaît les effets secondaires du sirop de miel nitro. Avec tous ces éléments, il s'agit certainement de même que celui de la note. Alors, cher Luigi, il faut trouver ce criminel au plus vite. S'il n'est pas débusqué avant qu'il agisse, ça va être terrible. Bah sinon, au pire, moi je fais péter le train avant lui et j'ai gagné. Hein. Allez, bisous. Bam. Ah putain, il souffre. Let's go. Bien joué. J'oublie que les sacs de taf s'appellent aussi une serviette. Eh oui. Le serviette. En même temps, quelle idée quand même de s'appeler comme ça. Attrapez le copain dans un clin d'œil, vous êtes génial. J'ai confiance en vous, j'ai besoin de votre aide. Vous voulez bien m'écouter? C'est vrai. Oh, mes boucles d'oreilles en nacre, je les ai perdues. C'est un cadeau de mon ex-copain, j'y tiens énormément. Pourriez-vous me les retrouver? S'il vous plaît. J'ai pas trop le choix. On va faire quelque chose. Hop là. Ça avait vraiment fait une scène de Game Over, tu aurais réagi comment? J'aurais beaucoup ri, parce que j'avais sauvegardé juste avant aussi, donc ça va. Ça m'aurait fait rire. Il savait pas des trucs, lui? Oh putain, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça à chaque fois. Hop là! Bonjour, quel beau temps aujourd'hui! Avec un temps pareil, on sent tout guéri? Ok, super. J'aurais pas dû faire ça, finalement. Zoui, 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 zoui. Elle est là, la vioque. Ah. Oh, bonjour, darling. Bonjour, vous avez reçu un mail à une enquête très délicate. Vous êtes remarquable et digne de confiance. Auriez-vous l'amabilité de m'accorder un bon mot de relance? Quel bonheur! Voici mon petit problème. Je voudrais que vous cherchiez une bague en or que j'ai perdu dans ce train. Je vous en prie, darling. Je sais pas, des indices? D'accord. Je dois trouver ça comme ça, de nulle part. Plein d'accessoires de maquillage. Donc là, il faut vraiment que je les trouve. Putain, je me souviens plus de... Oh, j'ai oublié le chapitre. J'ai oublié le chapitre, les gars. Non, je crois qu'on les trouve pas maintenant. Qu'est-ce que... Un papier couvert d'un texte horriblement complexe. Il a l'air très important. Horriblement complexe. Genre vraiment, c'est impossible à déchiffrer. Indéchiffrable. On va demander à Pingro de le lire parce qu'il y a que Pingro qui sait lire dans ce train. C'est compliqué, hein. Mais on fait ce qu'on peut. Putain, imaginez ce chapitre sans aller-retour, c'est 30 minutes de gagner, si jamais. Si on pouvait mettre tout le monde dans la même pièce, là, on gagnerait un temps fou. Le pouvoir de la loupe, c'est ça, en fait, c'est écrit en trop petit, du coup, maintenant, Pingro, avec sa loupe, peut le lire. Merde. As-tu trouvé une piste? Ah, ce papier! Du papier va nous amener à une piste? Oh, mais c'est un des documents qui m'ont été trouvés!
Mais qu'est-ce que vous dites? Mais bien sûr! Luigi, où as-tu trouvé ce papier? La cabine 1, hein? La cabine de Balletroul. À ce propos, nous ne l'avons pas vu de toute la matinée, non? Ce qui voudrait dire qu'il y a de bonnes chances qu'il soit caché quelque part. Bien, Luigi, veuillez immédiatement fouiller la cabine de Balletroul. Ça tombe bien, j'en reviens. Putain de merde. C'est pas comme si j'y étais pas déjà il y a 12 secondes. Pire chapitre, je pense. Vont rajouter des punis dans le train et ça devient un mauvais jeu. Bah, faut le dire, voilà, faut dire la vérité. Putain. Imaginez juste, c'est moi le meurtrier, attendez. C'est moi le meurtrier, je le sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ma cabine? What the fuck? Par terre, il y a un autre foyer qui a l'air important. Mais il ressemble à un papier ici. Mais alors, peut-être le criminel. Ah, peut-être que c'est moi le criminel. Peut-être que c'est moi le criminel. Ou peut-être qu'il est ici, le criminel. Hop là. Ouah, tu sors ! Vous m'avez pas encore attrapé ! Ciao, ciao. C'est que c'est un peu gros. C'était donc toi le coupable. Te déguiser en Balletroul pour tremper notre vigilance. Et ainsi tempérer discrètement les affaires des autres voyageurs. Ah, mais j'ai percé à jour ton stratagème. Quand j'avais découvert dès le début que tu n'étais pas le vrai Balletroul. Et c'est toi qui as envoyé la note de menace à Luigi? Super zut, à dire que j'avais plus qu'à disparaître à Riverside! Choisir une personne aussi célèbre que Balletroul était un plan ingénieux. Et pour ton malheur, j'étais moi aussi passager de ce train. Et voilà, un autre criminel qui n'a pu s'échapper à mon intellect. Bon, oui, enfin, rends les objets que tu as les robés. Une serviette, très lourde. Tu sais, tu pouvais le rendre au mec qui est juste là. Hein. Une bague en or. Si vous ne la rendez pas à Madame Rose, vous pouvez la revendre à 500 balles. De paires de boucles d'oreilles. Elles sont dégueulasses, vaut mieux lui rendre. Ah, ma serviette! Le sirop de miel nitro! Ouais, tiens. Ouais, ouais. Merci d'un coup, le sirop est intact, je ne serai pas viré! Ce fut une affaire complexe, mais grâce à moi, hop! Résolu en un clin d'œil! Bing dong! Avis aux passagers, le train entrera bientôt en gare de Riverside! Objet, il est 5, 4 heures, 5, je sais pas, entre le 4 et le 5, les gars. Il est très content d'être emballé, lui. Ciao, ciao! J'ai assez joué avec vous, si je reste plus longtemps, Marjolaine va être furax! Il est temps que le fin Bollywood laisse la place au vrai Rempel. Et oui, maintenant j'en ai plus rien à foutre que les gens connaissent mon nom, visiblement. Notre plan pour en finir avec Mario a échoué, il ne reste plus que la fuite. Je laisse à Marjolaine le soin de s'occuper de Mario, allez, bye bye. Tu veux sortir deux minutes? La sortie dans le premier wagon. Putain, merci pour l'info. On va sortir. On va sortir ensemble, j'ai envie de dire. Allez. Ne pas oublier ma carte Delphine, 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 pitié. J'ai pas le droit de l'oublier, hein, techniquement, celle-là. Faut pas, hein. Allez. Gare de Riverside. Tiens, c'est à prendre. Non, si bien, alors ce train à ce point-là. Bah, t'as qu'à lui acheter le train. Ça ira plus vite, hein. Là, le cadeau, il sera heureux. Hein. C'est terrible, écoutez. Quelqu'un est venu et a ouvert le pont, on peut plus passer. C'est pas grave. Il suffit
vite foncé très vite et ça nous fait faire un saut. Des gens coiffés de chapeaux et enveloppés d'ombre ont pénétré dans la gare. Je pense qu'ils ont activé l'interrupteur, ce sale, par là, pour le bon masculin. Ça fait si longtemps que nous ne l'avons pas utilisé, je ne sais plus où il est. En fait, je suis désolé de déranger un voyageur avec ceci, mais... Et votre réputation, monsieur Mario, je me suis dit que pour l'interrupteur, vous voudriez pas... Oui, allez, c'est bon. Ah, vous le feriez, merci. Excusez, Bruce Curry, voici les clés de l'entrée de la gare. Let's gang. Je vous en prie. Putain... Quelqu'un a enveloppé l'ombre avec des chapeaux, je vois vraiment pas de quoi ça peut s'agir, Viviane. Hein. Ah, je vois pas. Je sèche. Je sèche complète. Bon, restez que toi ici, je me sens tout desséché. Je vais juste à une petite promenade pour m'ouvrir l'appétit. Oh là. Personnalité du personnage, manger. Allez, moi je repars à pied à part la canaille. Ce serait marrant qu'on puisse. C'est sérieux, ça a une garde de Harry Daimar. Enfin, il y avait une magnifique rivière qui coulait sous ce pont, mais... Maintenant qu'elle est restée, que le pont masculin n'est plus qu'un ornement inutile. Ok. Mon cher Luigi, ce criminel était plus qu'un simple imposteur. C'est un monstre les plus louches affaiblis d'un drap tout blanc. Il est fort dommage qu'il ait pu profiter d'un moment ni d'intention pour s'enfuir. En parlant de cela, il a mentionné une certaine marjolaine basant à l'acte. Je pense que je vais me soigner, les gars, j'en ai besoin, là. Allez, c'est parti. En vrai, ça va, la première partie relou est passée assez vite, au final. Je pensais qu'on allait mettre au moins une demi-heure de plus, mais c'est parce que là, j'ai speedrun, hein. J'ai speedrunné. Bon, alors, je dois me laisser attaquer par les ennemis. Ne pas oublier cela. Je dois me laisser attaquer. Putain, il est encore recherché ici, lui. On peut souffler ici, je crois. Ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Ça sert pas à rien. Il y a un truc là. C'est important. Ah ah! Je ne suis pas dupe. Du coup, il doit y avoir plein d'objets partout là. Hop là! Je fais un petit coup de temps en temps. Au cas où. Puis juste pour le petit bruit rigolo aussi. C'est important. Là, quand je pense que bientôt le jeu va nous mettre l'un des ennemis les plus durs. Et je vais être obligé en plus de l'affronter. Je vais être obligé de l'affronter et de lui laisser l'initiative. Heureusement c'est pas maintenant. Allez. Allez mec. Oh! Jazz! Ça aurait été incroyable qu'il y ait quelqu'un qui fasse du skibidi là. Skibidi toilette! Pardon. Stylé ça. Ok. Oh, c'est bien. Oh, c'est chouette ça. Ça c'est bien là que j'ai le saut électrisé. Pff. Hop là! Attention, j'ai pas le droit de contrer. Bisous. Oh, j'adore. C'est une dinguerie. C'est un umph. Le nom ressemble à celui du zpf. Alors attention. Encore que tu n'es pas grand chose à craindre dans un cas comme dans l'autre. 7-4-0. Il ne fait pas l'attaque directe, mais il s'électrifie et peut lancer des éclairs. Et puis une fois électrifié, tu te prends des dégâts si tu le touches. Ah, il absorbe toute attaque de foudre que tu aurais la naïveté de lui lancer, alors ne le fais pas, ok? La naïveté. Quand je suis naïf maintenant. Oh non! L'électrocuté, je peux plus rien faire. C'est horrible. Et non, j'en ai rien à foutre parce que moi aussi je suis électrisé. En fait, que tout soit plus lent du coup. Incroyable en vrai. Vas-y, attaque-moi mec. Il a le droit. OMG, ils sont 3 maintenant, c'est impossible. Je peux pas gagner. Hop là, ça dégage. Et c'est parti pour... Mon Dioshi. Vas-y mon Dioshi, fais-moi les mini-œufs. Merde.
J'ai gâché, putain. Il a raté le nulos. C'est quoi ta version préférée du thème de combat jusqu'à présent? La deuxième et la troisième, je les aime beaucoup. En fait, je les aime toutes. Juste, je trouve que la troisième colle trop bien à quand on y est. La deuxième, elle est trop belle. Mais elles sont toutes belles. Il n'y a pas un seul truc qui est décevant. Mais franchement, ici, j'étais en mode, bah, je sais pas s'ils vont en faire un de thème de combat ici. Il va pas y avoir beaucoup de combats. Je me suis dit, si ça se trouve, là, pour celui-là, on va avoir le normal. Même là, ils se sont fait chier à en faire un autre. Je trouve ça dingue. Je trouve ça assez dingue. J'en veux pas en fait hein. Hop. Alors c'est qui le patron? Gros saxophone là. Le saxophone. Ok, on y est. Trop bien ce thème de combat. Je rappelle, hein, si jamais, du coup, la carte des défis que j'ai actuellement, c'est initiative X, donc je dois laisser l'initiative aux ennemis. Ah merde. J'ai fait la même erreur là, la première fois que j'ai fait ça, je crois. J'étais trop vite. Je dois laisser l'initiative aux ennemis, donc me faire attaquer. Ça, c'est si jamais ils l'ont. Hein. Putain, je vais trop vite. Je veux aller trop vite. Et en plus de ça, je n'ai plus le droit non plus de contrer les ennemis. Je suis obligé de me laisser attaquer. Je peux faire un bloc après. Mais je suis trop pressé, c'est très grave. Le mec volait trop vite, du coup il va lentement. Mais connard. Ah, en fait il faut que je réfléchisse. Attends, moi je suis pas là pour ça. Hein. Ok. Je me pose et j'attends le bon timing. Ok, je l'ai. Pain. Simple. Enfin, je vais vérifier un truc après. Est-ce que je pouvais utiliser Psy Yoshi avec le rouge pour tricher? Un objet, OMG! Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les rocs de glace? Pourquoi il y en a autant ici? J'ai 3 rocs de glace. Je vais peut-être m'en servir à un moment. Je faisais ça pour redonner de la vie à Carmina qui en a bien besoin. Ok. Vu. Mais comment aller ici? C'est impossible. En vrai, ici, c'est l'une des énigmes de platforming les mieux faites du jeu. Hein. Bien joué, Coupec! Bravo! Une des énigmes de platforming les mieux faites du jeu. C'est un truc pour rigoler. On peut pas? On peut peut-être, mais j'ai juste fait de la merde. Allez. Ah merde. Non, Coupec, laisse-moi tranquille! La clé c'est pour aller où? Ah oui, je vois. Je sais, c'est où. Un de Zoudou l'escalier. Je vais y aller en rouleau. C'est plus stylé. Est-ce qu'on peut lire ça? On peut pas, dommage. Clé de la gare. Goulik qui réclame de l'attention. Bah, je comprends. Ah. Allez, c'est la fin de l'épisode. Non, c'est pas vrai. Tout va bien. Ah mais je dois lui laisser l'avantage. Attends, va-t'en. Je te laisse l'avantage mec, t'inquiète. Mais ils prennent pas l'initiative ici les gens, ils sont bêtes. Eh oui, on sait déjà qui vous êtes les gars. On vous connaît bien. Hop là. On va pas perdre de temps.
Oh, le Luigi, on l'a entendu faire waouh. Il est heureux pour moi, merci Luigi d'être là. Vas-y mon Bartre. Toi aussi t'as le droit un peu. Je suis obligé de me prendre l'attaque, on n'oublie pas. Oh, je suis pas obligé finalement. On l'embrasse. Allez. Bravo. C'est moi où derrière le soleil est genre à ras du sol. Bah c'est un n'oubliez pas que c'est un décor. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça là. Hop là. Du bob. Les pistes de Mario augmentent. Bravo à Mario, putain. Sartek. Allez, tu m'y as, tu as le droit, toi aussi. Il y a des gens, bon. Il y a des gens qui ont fait un tic-tac-toe là-dessus et la croix a gagné. Attention, j'ai bien dit gagner et pas. Autre chose. Mais non! Foudre. Bah, qu'en foudre. Ah, mais là, j'ai un équipement, gros. C'est. Je suis préparé pour la 3ème guerre mondiale, là. J'ai tout. Je suis préparé pour tout. Vas-y, sirop de miel. Je t'ai vu, toi. Vas-y, attaque-moi, t'as le droit. Mais il m'attaque pas! Ah! Oh là, y a du people! Du people pee! Allez! Bon, il faut que j'utilise, hein! Hop là, ça vous a calmé là! Ok, y en a un. Y en a un, ça l'a pas calmé. Comment on va faire? Je crois que je peux pas le viser lui en particulier. Potentiellement devoir me prendre un Rock Richter, bah du coup, Chulia reste, hein. Pilipi, pilipi. De toute façon, Chulia, là, t'es... Non, bah non, au bout d'un moment, faut pas déconner, dans la vie. Bise. On envoie un baiser à tous les ennemis et les rend confus. J'ai pas envie de faire ça. Oh non! Mais non! Moi je voulais qu'ils soient confus! Mais non. Ah oui, eux ils sont immunisés à la glace, hein, ça se voit. J'ai pas le droit de contrer, j'ai pas le droit de contrer! J'ai pas le besoin de contrer, j'ai pas besoin de contrer! Ah merde! C'est vrai! C'est vrai le poison! Oh oh! Pardon. Ah le vénard. Ah le vénard. C'est marrant que ça ait rien fait à Viviane aussi. Ouais, un petit multibon là. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on peut faire là rigolo? Bah rien hein. On va juste devoir s'occuper d'un... En vrai, rien. Pourquoi je fais charme? C'est pour faire plaisir à l'audience. Pour leur plaire. Putain, je me suis encore fait voir. Allez, on l'embrasse. Mais non, il en fait un autre. Chose qui n'a jamais été logique, hein, vraiment. On ne comprend pas comment il fait ça, mais il le fait. Bravo à vous les gars. Putain, il le fait avec full life par contre. On peut abuser. Wouhouhou. Allez. Vas-y Goobeg. Ah non, bombarde. Oh, Coupec, ça va suffire là. Balabapapapapala. Voilà. C'est peut-être des zombies. Bah c'est un peu des zombies, ouais. C'est un peu des poké-zombies, je trouve. Ils ont vraiment une gueule de zombies, les poké-poisons. Donc ce serait assez logique.
Ah, il donne tellement d'XP encore, je trouve. Ah bah, il y en a un autre, tiens. Je suis obligé, hein. Putain, un combat super varié, hein. Un combat vraiment. Oh, tiens. Hop là. J'aime trop. Le thème est trop bien. Il hype de fou. Hop là. Je suis obligé, hein. Je peux pas contrer, n'oublions pas. Never forget. Hop là. Wait, what? Il fait 6? Eh oui, il fait 6. Déjà, il est niveau max. Donc, il fait 3, 4, 5. Et il a puissance plus P, donc il fait 6. On zise humble, on zise. Mais vous étiez super nombreux, en fait. J'ai raté plein de trucs, moi. Quand tu veux, mec. Attention. Wow, c'était original, ça, comme combat. Il fallait le trouver. Copec level 2 fait 3 de dégâts. Continue. Level 3 il fait 4. Moi, je sais pas. En tout cas, il l'a tué. Hop, ça dégage. Pas de tonnerre pour toi, mon ami. Peut-être qu'il y a un autre badge. Allez, vas-y, vas-y, attaque-moi. Ah, j'ai même pas eu le poison, tiens. Bouffon. Je commence à avoir pas beaucoup de vie, moi. Ah, super forme. Oh, venez, on va essayer super forme une fois. Je peux pas l'utiliser souvent, donc voilà. Ah oui, ça va automatiquement, c'est vrai. Mais y a... Ah oui, j'allais dire, ils ont enlevé les champignons, non, d'accord. C'est juste qu'ils sont tous arrivés à la fin. Ok, j'ai eu de la chance. Ah, c'est vraiment super forme, hein. C'est vraiment très bien, la forme. Hein. Oh, j'ai besoin de retrouver ma... Mon énergie à toi, pitié. Ah merde, il va peut-être faire un autre zombie. Non, ça va. Du charme, hein, pour le premier. Le niveau de détail, le niveau de détail des décors est vraiment chouette. Hein. Hop là. Hop là. Hop, bah super. J'utilise un objet pour qu'on m'en donne un juste après. Le nombre de soleil qu'on a. Je veux même pas l'objet, hein. J'ai trop d'objets. T'as pas mis plus sens plus défense moins partenaire, c'est possible. Hein. Regardons, qu'est-ce que j'ai. Alors qu'est-ce qu'on a. Plus sens plus P, j'en ai un. Non, je l'ai pas. Je sais pas. Ça nous dit combien de dégâts il fait de base. Non, je sais pas. Je pense juste que t'es bourré et que tu fais mal le calcul, non. Pour moi, l'attaque de base de Coupeg, elle fait. Attends. 2, 3. Ah non, c'est vrai, ça se fait 4. Bah écoute, je sais pas. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il nous donne de la glace. De la glace à volonté. Bah oui, de toute façon, oui, c'est vous qui avez l'avantage, allez. Putain, mais pourquoi ça leur donne pas le. Il devrait avoir une animation qui leur donne l'initiative. C'est dommage qu'ils aient pas ça pour eux, hein. Coupé que je fais plus de dégâts au level 3. Peut-être, hein. Alors. Palalala. On va voir. Ça a l'air d'être ça, hein.
Ils ont peut-être rendu le niveau supérieur, encore plus supérieur, en mode bravo. Vu que c'est une quête secondaire. Merde. J'ai voulu aller trop vite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le temps. Hop là. J'ignore les rageux, moi. Ce qui est terriblement vrai. Bon, moi, je veux bien vous donner l'initiative, mais vous la prenez jamais, les gars. C'est chiant. Je sais plus. Par défaut, on va à gauche, hein, toujours. Eh bien, c'était une erreur. Mais alors, attends, je fais quoi, là? Allez, on peut remonter. Ça. Le badge. Voilà. Puissance plus, défense moins. Ça, c'est bien. C'est ça qu'on veut. Ou pas l'inverse. Ah, je sais pas si c'était par là qu'il fallait que j'aille. Oh, super chambier. C'est gentil. Je vais l'utiliser immédiatement et me soigner mon 1 PV manquant. Merci beaucoup. Oui, oui, attaque-moi, vas-y. Ah oui, automode. En même temps, quelle idée d'avoir appelé ces badges P plus D moins. Je sais pas. Intelligent, hein. Il y avait attaque aussi qui marchait attaque. Mais bon, Je peux pas tous les descendre d'un coup. Je les fais un par un. Un par un, ça ira très bien. Juste coupe avec c'est dangereux. Coupe avec c'est dangereux pour toi ici. Hop là. N'oublions pas le contre. Voilà. C'est trop bien la musique. Attention, ça je vais le tenter, vas-y. Voilà. Ouah, c'est juste pour le fun, hein. Putain, quand la scène va être encore plus grande là. Je sais plus à quel niveau. Je sais plus c'est dans combien de niveaux pour moi là. Je pense que c'est dans pas longtemps, hein. Vas-y, attaque-moi, mec. Merci, Vivian. Merci, Vivian, pour les travaux. Hop là! Attention, A, D, X, Y, B. Bah, j'ai appuyé, moi. J'avais littéralement le doigt dessus. J'ai peut-être appuyé avant. Peut-être appuyé avant, ce qui, du coup, a fait bugger le truc, bah. J'avais vraiment le truc sur le bouton B. Ouais, mais je vais avoir plus de pièces, je vais devenir ultra riche. Ça va. Oh. Peut-être pas une bonne idée de faire ça. Si tu veux t'attribuer un badge sur toi, Luna, dans la vraie vie. Un badge qui me redonne mes points à cœur, putain. Mettre le badge escargot pour mourir deux fois plus lentement. Non, je mettrai le badge Luigi pour devenir Luigi, voilà. Ça n'a aucun sens. Une question. J'aurais pu en finir en un tour, mais bon. Allez, Bobart. Hop là. Bravo les Goombas et Luigi, bien sûr. Sbiri, 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 sbiri. Merde. Je suis pas donné. 7 tours. C'est aléatoire le nombre de tours de poison, hein. Il y a des fois c'est 2, des fois c'est 7, 8, 9, 10 millions. 1 milliard. Le badge garde de l'argent. Là je trouve pièce là. Je trouverais des pièces partout par terre, ce serait énorme.
Je préfère trouve billet quand même, parce que trouve pièce, on s'emmerde. Hein. Oh vite, il faut que je regagne ma vie. Super important. En fait, je l'ai passé au bon moment. Au bon endroit, en fait. Oh, c'est bon, ça va mieux, là. Je suis mieux, là. Allez, hein. Félicitations. Bah, bon bah. On lui apprend de la vie à celui-là. Voilà. Il est pas insensible aux explosions sur le dos, hein. Peut-être que si. Ah si. Tant pis. Allez, ça, t'es insensible à ça, connard. Allez, hop. Ça t'apprendra. Insensé, insensible. Le mec, il en a rien à foutre des bombes. Mais alors, un petit peu de froid et là, c'est fini. Hein. C'est chaud. Bon, ça se passe bien. Bon, tu m'en voudras pas l'autre Poki, mais bon. Je dois vous laisser l'initiative, hein. Je suis pas obligé de me battre non plus. Hein. Je me bats par principe parce que j'adore, mais... Au bout d'un moment... Oh là, oh là, pourquoi tout le monde a un inventaire de malade, là? Bon, il y en a un qui casse les couilles, l'autre, après, ça va. Vas-y, coupe avec Total Cap. Je charge à fond. Putain, 10 tours, c'est long, hein. C'est bad long. Coupec, tu vas encore devoir faire Total Carap, je te le dis. Voilà, terminado. Putain, bientôt un autre niveau encore. Ça va vite, là. Ouais, on va peut-être l'avoir, le Superstore. Et je me sortir. Alors c'est par là, faut faire le bon saut. J'ai raté le saut. Je suis une merde. Ok. Ok. Et là c'est à gauche du coup. Continuez d'aller tout à gauche. Voilà. Hein? Disgusez les histoires. Ah non, c'est... Ah, il faut aller dans le trou. In the trou. In the hole. Il faut aller à gauche comme ça, voilà. C'est bon. Tu comptes à gauche et à droite, exactement. C'est comme ces gens qui font ça, là. Sauf que ça marche pas en français. C'est dommage. Garde Riverseed. Putain, c'est ici, ça y est, on va l'avoir. Le gigasaut. On peut pas y aller, quoi. C'est impossible. Comment faire? Mais comment faire? Ok, voilà, c'est lui. Il est là, l'ennemi le plus fort du jeu. En plus, je suis obligé de lui donner l'initiative. Vas-y, je suis dégoûté. Putain, vas-y. Là, ça va être chaud, les gars. Là, ça va être un combat de fou, hein, attention. Je sais pas si je peux le faire. Je sais pas si je peux faire ce combat, les gars. Je vais essayer. Ok. Ça va. J'ai eu peur, hein. J'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Putain, il y en a encore deux, hein. C'est très très dur. Je sais que ma carte des défis, là... Ah, c'est chaud. Ok,
Je vais essayer une autre stratégie. J'espère qu'elle va marcher. Ok, ça va. C'est super dur. Vous imaginez pas à quel point c'est dur. C'est déjà qu'une fois c'est chaud, alors une deuxième fois c'est... Mais imaginez s'il y en avait une troisième en plus. Hein. Imaginez. Ouais, je peux pas. Trop bien. Putain, en plus c'est vraiment un combat différent quoi. C'est énorme. On s'emmerderait pas un peu là, par hasard? Petite question. Allez. Pour le spectacle. Pour le spectacle, un petit top form pour regagner les PF. Hop. Merde. Mais putain, il met que les PF aux deux endroits, je peux pas les avoir là, gros. Je vais dire fou. Je les perds, mais... Merde. Babadalilibabdilubilubibubu. Allez. Ah putain, je l'ai pas mis au niveau max, j'ai oublié. J'espère que ça suffira. Ok, bouffon. Ok, bouffon. Bombs. Je sais pas si je peux le faire. J'ai plus qu'à être patient et attendre un tour et ça devrait les tuer. Par stratégie, par pure stratégie. Je vais quand même me cacher avec Viviane parce que sinon c'est trop chaud. J'espère que ça a marché. C'est vraiment dur. Là c'est vraiment un combat... Ok, bien joué. Bien joué à toi mec. J'espère qu'ils sont assez intelligents pour le refaire encore deux fois. Ouais. On sait jamais au cas où ils traversent le sol hein. On sait jamais les gars. Vous avez raison de tenter. Attention. Ok. Ok, c'est énorme. Ok, ça a l'air de marcher. Let's go. On a réussi. Le combat le plus dur du jeu, vraiment. Rendez-vous que 99% des gamers n'ont pas réussi ce combat et n'ont jamais pu terminer ce jeu. C'est quoi ça? Il y a un bouton. J'appuie dessus, ça fait rien, gros. 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quel intérêt ça? Qui peut m'expliquer? Quel intérêt de cette énigme? Entre guillemets énigme. Le boss, la stratégie était parfaite. Bah ouais, je sais. C'est énorme ce que je fais. Oh si, allez, je vais le prendre pour Viviane. Oui, oui, oui. Allez, un pour Vivi. On en est là quand même. Hein. Pardon. Il y a quand même un mec dans la team qui s'est dit, hey, c'est un peu stylé notre idée, non? De genre faire, on remet des Goombas. Il faut les battre trois fois. Et l'énigme, c'est qu'il doit... faire 10 coups de marteau sur là où il y a marqué 10. Je pense que le mec était viré dans la journée, mais ils ont pas eu le temps de faire un autre truc. Ils ont fait, bon, on laisse sa merde à lui, ça lui fera plaisir, mais vraiment plus jamais. Plus jamais on le prend dans l'équipe, ce gars. Allez! Les Ultrabots! Let's go. Bonjour, c'est moi, Toadette. Je suis heureuse de te revoir, petit cœur. Voici les Ultrabots. Ta puissance de saut augmente encore plus, Mario. De plus, tu peux utiliser une nouvelle technique de saut. C'est un peu difficile avec un traînement de vie, hein, petit cœur. Pendant que tu maintiens, fais tourner elle et ton cœur s'oubliera. Relâche A et tu feras un saut ressort. Attention de bien faire retourner plein de fois avant de relâcher A. Ok. BAM! Ok. Avec le sort au sarreau, tu peux atteindre des tuyaux très hauts et t'y accrocher. En inclinant L vers la gauche et la droite, tu te déplaces le long du tuyau. Si tu appuies sur B, tu te lâches le tuyau et tu descends.
Hop là, ouah, c'est dans ce qui se passe. Mario devient monkey. Hop là. Super, bah tu as été parfait. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait que je m'accroche à ton tuyau maintenant? Oui. Très bien, tu as parfaitement maîtrisé le ressort. Bisous. Cette technique te permettra d'atteindre des blocs ou des objets situés en hauteur. Par exemple, frappant un panneau par en dessous, tu peux faire tomber ce qui est posé dessus. Ah oui, tu peux aussi l'utiliser pendant les combats. Allez, à la prochaine, bon courage pour tes aventures. Bisous. Bisous, Toilette. Salut, mon... On l'embrasse. On l'embrasse très fort, putain, mais par contre, à quoi me sert ce pouvoir, en fait, qu'on va... Hop là. Bisous. Hop là, on est de retour. Back in the Play-Toh. On a besoin de Yusho. Hop là. Hop les. Peut-être l'une des meilleures énigmes du jeu. C'est à chaque fois qu'il y a une énigme maintenant. Hop là. Clé de l'ascenseur. Et non, en fait, c'était juste la clé de ça. Bon, genre, je peux pas le péter. Voilà. S'il te plaît. On pourrait presque croire qu'on peut aller derrière ça. Bah non, on peut pas. C'est un secret que j'avais jamais découvert avant. Il y a certainement des secrets dans le jeu que j'ai jamais fait, mais je les connais quasiment tous, peut-être genre 99%. Là, juste que je vais avoir oublié avec le temps. Hein. Salut mec. Et on fait quand même le combat. Hein. Qu'est-ce qu'elles font là, les Daisy là? Qui les a invités, elles? Mes sauts sont plus forts maintenant, ça c'est bien ça. J'ai les bottes rouges. Peut-être les ennemis en faisant un énorme saut au sort. Je vais regagner encore mes points fleurs moi. I got my point flowers. Moi je parle pas très très bien espagnol, pardon. Juste les points fleurs, moi. Le reste, je m'en fous. Non ! Bâtard. Petit bâtard. Mauvaise nouvelle. Bon. Allez. Putain, c'est trop dur. C'est trop dur, les gars. Je sais pas si je vais y arriver. Ok, j'ai réussi. Oh non, il en reste un. Je pensais que ça faisait pied lassé. J'ai eu des yeux. Je suis obligé de me prendre tout ça dans la gueule. Bon, lui va mourir, c'est bien. Bravo à lui. Belle perf. Oh non. Oh non, 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 non. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est presque du racisme. Oh là là. Horrible. Horrible personnage. Voilà, ça va, putain, genre je pouvais le tuer avec un seul avec un vieux saut là. Mario meurt pas s'il te plaît. Putain, j'ai trop peur pour Mario, vous pensez qu'il va mourir ou pas? Vous pensez Mario va mourir ou pas les gars? C'est chaud, est-ce que vous pensez Mario va mourir? Le suspense est à son comble. Est-ce que vous pensez que je vais être dans la merde après ce combat? Franchement, ça va aller. Allez. La vraie question est quel est l'intérêt du saut ressort en combat par rapport à un saut fort, à part que c'est plus dur à faire. Et la réponse est... aucune. Vraiment, j'ai jamais compris le saut ressort. Il est vraiment pas plus fort, hein. Et il est effectivement galère à faire. Très clairement. Je préfère le saut toupie. Oui, bon, hein. Oh, tonifiant, merci beaucoup. Merci pour le tonifiant, j'en prends soin. J'en prends soin de le laisser ici. Allez, on retourne à la maison.
Au final, la phase de combat était plus longue que la phase de... que la phase de blabla. J'ai été médisant sur ce chapitre. Y'a un truc éclaté par terre, je crois, un droit. OMG. Et... Non ! Quoi ? Je voulais pas, moi ! Ah bah ça va, il a un objet, mais... Je voulais pas, moi, je voulais monter sur le bloc. Oh, c'est bon, hein. C'est bon. Le son ressort stack plus avec la puissance plus. Comment ça, hein ? Bon bah... Allez, cassez-moi la gueule. Pas le droit au bonheur, Mario. Mais quoi, mais il est con? Ah oui, bah ça marche comme un soin, cela dit. Mais il est con, quand même. C'est bon? Allez, hein. On n'en parle plus, c'est jamais arrivé. Un jour j'arriverai à contrer ce truc là. Donc après là je dois pas contrer mais... Je veux dire bloquer. Allez ça dégage. On a que trop souffert de ces pitreries. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est le raciste. C'est bon. Deux coups au lieu d'un, donc deux chances d'utiliser buff. Ah ok. Mais... Moi je voulais aller là. On souffle hein. Vous pouvez pas mettre juste de l'argent? Putain j'ai trois foudres. Ah, j'ai oublié de faire un gâteau à la mangue. Ma mangue. Bah tiens, bah, c'est quoi ton champignon? Tu te le mets dans le cul, Mario. Ah, on est content. Je suis à peu près sûr qu'il y a un truc ici. Bah ouais. Quelque chose tout près de nous. Tout autour de nous. Y'a un badge? C'est moins proche. Oh mais ça va être en dessous. Oh ça va être en dessous, il va y avoir un milliard d'objets sur les posters de merde. Oh c'est ça. Vas-y. Ils cassent les couilles avec leur objet là. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi je pensais qu'il y avait un truc bien. Bon, moi ça soit de Mario. Il y en a encore là, j'imagine. Putain. Qu'est-ce qu'il y a encore? On s'emmerde! C'est quoi, je m'en vais? Il n'y a plus aucun objet intéressant, c'est ce qui compte. Putain, mais il y en a 14 milliards! Ils ont pété leur crâne, hein? Non, ils ont fait le petit Mathéo ne va pas réussir ce jeu. M'en fous, je m'en vais. M'a saoulé! Le petit Mathéo ne va pas réussir ce jeu sans ces milliards d'objets. Sauf que le petit Mathéo, il pensera jamais à souffler sur les affiches, gros. Tralala. Ah non, c'est pas là. Qu'est-ce que j'ai obtenu, d'ailleurs? Ah oui, je sais ce que j'ai obtenu. Parlons. Alors... qu'est-ce qu'on cherche déjà? On cherche la manivelle. Ah, c'est pas ça la manivelle? Elle est où la manivelle de merde?
Je l'ai eu la manivelle, lui, ça? Ah oui. J'ai oublié que je l'avais eu. OMG. On est prêt pour un combat de boss, les gars? Oh Mario chéri! Et que peuvent être bien ces choses? Peu importe, chassons-la d'ici, actionne dans l'interrupteur. Ouais, je veux me battre. Cassez-vous! Voilà. Attention, vous êtes prêts pour un truc très logique? Un levier. Et maintenant, grâce à ce levier, un interrupteur. Pourquoi ne pas juste mettre un interrupteur, pitié. Surtout que c'est pas logique. Un pont, ça se baisse et ça se re... Ça se rehausse. C'est littéralement un levier qu'il faut pour le lever et le fermer. Complètement con. Le truc le plus con qu'on ait jamais vu en termes de manivellerie. Là, il faudrait que je puisse refaire la même chose, mais je peux pas. Mais c'est faux, je croyais que j'avais le PS3. PS5, pardon. Y'a rien, là. Tricheur. Bon, 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 bon. Oui, on est quasiment à la fin du chapitre, non? Est-ce qu'on ferait pas une pause pour nouvelle carte des défis plus... Bah on continue quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal de faire une pause maintenant. On est au bon moment. Un bon moment. Avec Ken Kojandi et Navo bien sûr. Du coup YouTube c'est le bon moment pour nous. On se fait des gros bisous YouTube, on se dit à bientôt. Pour la suite des événements sur Paper Mario la porte millénaire. Fit la carte des défis, je prends une gorgée d'eau, regardez. Ça n'avait aucun intérêt de vous le montrer, mais j'avais envie. Pensez à vous hydrater, bien sûr, sur YouTube, sur Twitch, sur partout. Dans la vie réelle. Pensez-y, c'est important. Salut YouTube. À très bientôt, et n'oublie pas les petits commentaires qui font plaisir. Eh oui. Salut mon pote.